Chers supporters, le moment est important. Vous le savez, ce soir, c'est la troisième journée de Ligue 1 de cette nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau visage. Je sais que vous êtes impatients, surtout si vous revenez de vacances, de découvrir les nouveaux visages rouges et bleus. Quelle que soit votre tribune, je compte sur vous dans un instant pour accueillir du mieux possible ces joueurs qui ont décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, j'en profite pour dire un mot à la tribune de Paris. Donc tout à l'heure, vous avez des drapeaux sur vos sièges. Dès l'entrée, des nouveaux joueurs, je vous demanderai bien entendu de les agiter. Chers supporters, nous sommes tous honorés d'accueillir tout de suite sur la pelouse du Parc des Princes les nouvelles recrues du Paris. Vous voyez sur les écrans, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire avec moi qu'il a déjà donné, après un mois seulement de présence, une identité au jeu parisien. C'est un coach en pair, un tacticien en pair. Je vais entendre le Parc des Princes rugir. Les gardiens et les espagnols, ils nous rejoignent nous aussi. Le numéro 80 a prononcé comme ça Arnaud Tenas. Ensuite, devant lui, il y aura le numéro 37 dont on a parlé tout à l'heure, capitaine de l'équipe de Slovaquie, monsieur Milan. Il porte le numéro 21, un authentique champion du monde, Lucas Hernandez. Bienvenue, messieurs. Au milieu de terrain, et je sais que l'on peut compter sur eux, surtout le numéro 4, comme tous les Uruguayens, réputé pour sa grinta. Le numéro 4, Manuel. Toujours au milieu de terrain. Le numéro 19, le feu follet coréen, le premier joueur coréen à rejoindre le Paris Saint-Germain. Kangin. Et enfin, un authentique espoir du foot italien, il nous rejoint lui aussi. J'ai nommé le numéro 27, Cher. Cette équipe a déjà fait la lutte, mais il nous manque le trio offensif, mais aussi le recrue, avec pour commencer la grande Espagne. Regardez-les, pénètre sur la terre. Je vous demande de faire une ovation. Numéro Marco. On lui souhaite la même carrière au Parc des Princes qu'un célèbre. Les Açores. Le numéro 9, Gonzalo. Bravo. Et enfin, champion du monde, le nouveau numéro 10.